Rog să fie la microfon pentru ca traducătoarea să poată să adreseze în cască ceea ce întrebați. Bună seara! Eu sunt Cătălin Mari și apropo de identitate. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rolul trupului în constituirea identității, dar mai ales în ideea de este anatomia destin sau nu este? Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet, donc vraiment, si je vais très très vite, je dirais que pendant très longtemps dans nos sociétés, notre corps était effectivement un destin. D'ailleurs, la fameuse phrase de Freud qui dit « l'anatomie, c'est le destin ». En d'autres termes, on ne peut pas changer son corps, on est comme on est, avec le visage qu'on a, etc. Et ce qui se joue depuis, disons, le début des années 80, d'abord aux États-Unis et puis partout ailleurs dans le monde, c'est la possibilité qu'on a de transformer de plus en plus notre corps. Donc finalement de vivre une forme de dualisme. Il y a moi et mon corps. Pour moi, c'est ça d'ailleurs le dualisme du monde contemporain. Ce n'est plus un dualisme qui oppose le corps à l'âme ou à l'esprit. C'est je suis devant le miroir, je me regarde, je vois mon corps, comme si j'étais différent de mon corps. Et donc depuis les années 80, il y a ce désir de changer de corps, de mille manières, à travers le tatouage, à travers les implants sous-cutaniers, à travers les régimes alimentaires, à travers la chirurgie esthétique, à travers le culturisme, à travers les différentes pratiques de dermatologie aussi, à travers les cosmétiques, enfin j'en oublie certainement énormément, ou les gymnastiques, le jogging, etc. Donc il y a un marché incroyable du corps qui s'est développé à partir de ces années 80, et j'ai oublié d'ailleurs la question transgenre, c'est-à-dire des personnes qui au départ ont été des hommes ou des femmes, qui vont soit changer de sexe, soit refuser radicalement d'appartenir à un sexe, à un genre. Donc des personnes, on pourrait vraiment retrouver l'étymologie latine, un personne qui vient du latin persona, le masque, des personnes qui ne sont plus qualifiables en termes de masculin ou de féminin. Ça aussi, ça démarre dans les années 80 avec l'activisme queer, puis avec des auteurs d'ailleurs comme Judith Butler, traduite aujourd'hui dans le monde entier. Donc aujourd'hui, le corps n'est plus du tout un destin. En tous les cas, je vais revenir là-dessus. Mais disons que globalement, le corps n'est plus un destin, mais plutôt une espèce de matière première, une sorte de matière première qu'on remodèle à sa guise. Donc on peut changer son corps, et en changeant son corps, le désir, c'est de changer son identité. On change son corps parce qu'on veut changer sa vie. Je veux le recours à la chirurgie esthétique, c'est changer la forme de son visage, ou de ses cuisses, ou de ses seins, mais c'est pour changer sa vie, pour se sentir mieux dans sa peau, pour reprendre une métaphore corporelle, justement. Donc aujourd'hui, il y a plutôt un jeu entre corps, entre soi et son corps, qui amène donc beaucoup de personnes à se sentir beaucoup mieux en harmonie avec leurs désirs. On n'est plus enfermé dans son corps comme on l'a été pendant longtemps. Sauf, évidemment, si on est une personne malade, une personne handicapée, Là, par contre, on est piégé dans une forme de destin, entre guillemets. Bon, l'un de mes derniers livres, c'était sur les douleurs chroniques. Là, la douleur chronique est vraiment un phénomène universel et qui touche quasiment des centaines de millions de gens à travers le monde. Hein. En termes de santé publique, c'est le problème majeur. Mal au dos, mal au cervical, etc. On est nombreux à avoir toutes ces pathologies-là. Là, par contre, c'est très difficile. D'ailleurs, douleur chronique, ça veut dire que c'est une douleur qui s'inscrit dans la durée, dans le temps. Et là, on a eu énormément de mal à intervenir dessus. Et puis, une personne handicapée, une personne dans un fauteuil, il y a quelque chose là davantage de l'ordre d'un destin, effectivement, même si nos sociétés essaient d'être plus hospitalières aujourd'hui aux personnes handicapées. Bon,
C'est très différent, évidemment, vous le savez bien, d'un pays à un autre. L'avantage de l'Amérique du Nord, qui est en pointe en matière d'accessibilité des lieux, en termes de voilà, c'est, d'ailleurs, je suis allé plusieurs fois à Vancouver, sur la côte ouest du Canada, et c'était merveilleux de voir une ville avec une telle diversité, avec énormément de gens dans des fauteuils roulants, mais des gens de tous les âges, de toutes les pathologies. Voilà, ça m'a aimé aussi. Le Canada, évidemment, est une société qui fait tout pour une intégration quasi absolue de toutes les personnes handicapées et qui fait aussi en sorte que les personnes âgées ne soient pas toutes dans des maisons de retraite, mais qu'elles puissent vivre en toute autonomie et se déplacer en toute autonomie dans les grandes villes canadiennes. Je crois que c'est beaucoup comme ça aussi aux États-Unis. Donc le destin n'a pas totalement disparu. Mais il est moins un piège qu'il a été pendant très très longtemps dans nos sociétés. Merci. Bună seara, numele meu este Delia Soare, sunt studentă în anul întâi la Master de Antropologie și întrebarea mea este în legătură cu logistică. Am căutat foarte multe interviuri și filme cu dumneavoastră și sunt interesată de perspectivele și teoriile pe care le prezentați. Însă m-am lovit de bariera de limbaj. Niciunul dintre interviurile dumneavoastră nu este subtitrat în limba engleză. Apropo și de ce spunea domnul profesor Iancu de monopolul bibliografiei anglosaxone. Ăsta e unul din motive. Și vreau să vă întreb dacă ați luat și asta în considerare de a deschide către un public mai larg materialele dumneavoastră. Oui, merci pour votre question. Mais c'est vrai que je suis davantage tourné vers le monde latino-américain. Je vais énormément en Amérique latine, et puis énormément en Italie aussi. Mes livres sont aussi beaucoup traduits, donc voilà. Et puis mon goût va devant. Je suis comme beaucoup de Français, j'ai toujours un peu de mal à parler anglais, ça ne m'intéresse pas énormément. Et puis dans mon expérience personnelle aussi, c'est vraiment très 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 intéressant. C'est vrai que je suis, on pourrait dire que je suis énormément traduit. Je dois avoir 70-80 traductions de mes livres. La première traduction que je viens d'avoir en anglais, c'est Sensing the World, An Anthropology of the Senses. Sensing the World, c'est un très beau jeu de mots qu'on ne peut pas faire en français d'ailleurs. Donc c'est mettre du sens et en même temps sentir le monde, une anthropologie des sens. Donc c'est la traduction en anglais de mon livre Les Saveurs du Monde, une anthropologie des sens. C'est mon premier livre traduit en anglais. Par contre, j'ai beaucoup publié d'articles dans la revue Body and Society, notamment, qui est quand même la grande revue sur la sociologie et l'anthropologie du corps. Je fais partie d'ailleurs depuis le début du comité éditorial de la revue. J'ai dû publier 7 ou 8 articles. Et puis très souvent, on me demande des textes dans des ouvrages collectifs. Mais c'est vrai que moi, qui suis tellement invité en Amérique latine, par exemple, je n'ai eu que très très peu d'invitations aux États-Unis. Au Canada, oui, parce que évidemment, on a le Québec, je vais très très souvent au Canada. Mais par contre, aux États-Unis, non, je suis allé deux, trois fois. Et d'ailleurs, j'ai fait des conférences en français, ce qui est quand même assez intime. Je ne sais pas si je devrais vous dire des choses comme ça. Mais... Ce qui fait, en tous les cas, que les Anglais n'ont pas trop envie de m'inviter. D'ailleurs, je ne suis jamais allé en Angleterre. Pour un immense voyageur comme moi, c'est quand même assez extraordinaire. Alors qu'on a une ligne directe Strasbourg-Londres en Allemagne. J'ai eu l'idée de prendre l'avion pour aller en Angleterre. J'ai pas le truc. Oui, la littérature américaine, le cinéma américain, pour moi, c'est fondamental. C'est même une grande partie de ma vie. Mais en tant que chercheur, bon, c'est pas mon affinité. Je me sens bien avec les Brésiliens, les Argentins, les Chiliens, les Mexicains, les Italiens, etc. Moi, avec les collègues américains. C'est un problème de sociologie, hein, qu'il faudrait traiter. Ah oui, non, je sais aussi quand même que je suis très difficile à traduire en anglais. Mais c'est parce que l'anglais est une langue. Là, il y a toute une vision du monde aussi. Vous savez qu'une langue, c'est finalement. Toute langue incarne une vision du monde.
Et j'aime bien dire que nous ne pensons pas à travers la langue, c'est la langue qui pense à travers nous. Hein, c'est la langue qui nous amène à penser d'une certaine manière. Et donc quand j'écris en français, j'écris avec un vocabulaire extrêmement large. Et quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ont traduit, par exemple, des articles, ou la personne qui a traduit Les Saveurs du Monde, on a eu beaucoup d'échanges, je sais que je suis quelqu'un de très très difficile à traduire en anglais. Alors que c'est beaucoup plus facile en italien, en espagnol, en portugais, parce que ce sont des langues extrêmement riches. L'anglais, c'est très, très, comment dire, très fonctionnel d'une certaine manière. Hein, on va vraiment dans le... On discute pas trop, quoi. On tourne pas autour des choses. C'est l'anti-Proust. Je me suis toujours demandé en anglais. Comment il pouvait traduire Proust en anglais. Ça me paraît absolument impensable et impossible. Il y a donc une philosophie des langues qui fait que c'est plus difficile. C'est un effort beaucoup plus grand, disons, pour un traducteur anglais de prendre. À mon avis, pas seulement moi, parce que je sais qu'on est très très peu de chercheurs francophones à être traduits en anglais. Très très peu. Donc il faut peut-être des auteurs. Ceux qui sont traduits sont peut-être des auteurs qui ont des phrases beaucoup plus utilitaristes, en quelque sorte, beaucoup plus fonctionnalistes, etc. Quand on est un peu littéraire, entre guillemets, c'est beaucoup plus compliqué. Bonne soirée. Am mai degrabă un comentariu, nu o întrebare, referitor la burnout și cum sunt afectați în mod diferit femeile și bărbații de burnout la locul de muncă. Dumneavoastră ați spus mai devreme că bărbații, având mai multe funcții de conducere, sunt mai afectați de burnout. În interpretarea mea, trebuie să ținem cont și de munca pe care femeile o fac în casă și cu îngrijirea copiilor și burnout-ul trebuie să țină cont și de supraîncărcarea cu munca din spațiul domestic care în anumite societăți revine într-o mult mai mare măsură femeilor. Și atunci, un comentariu este că dacă ar trebui să introducem genul în discuția referitoare la burnout, trebuie să ținem cont și de munca care nu e considerată muncă pentru că nu este bazată pe remunerație, dar ea presupune un efort. Atunci, femeile sunt mult mai afectate de burnout și din cauza asta. Oui, vous avez tout à fait raison, mais pour moi, le burnout renvoie au monde du travail rémunéré. La dépression, à mon avis, ce que vous dites vaut davantage pour la dépression. Il y a beaucoup plus de femmes dépressives. Je n'utiliserai pas le terme burn-out pour une femme qui élève ses enfants, qui est prise dans un travail domestique épuisant. À mon avis, on est davantage sur la figure de la dépression que du burn-out dans ce contexte-là. Mais je suis complètement d'accord par ailleurs avec votre analyse, bien sûr. Bonsoir, je m'appelle Jade Condes, que j'oserais de vous poser la question. Si la disparition de soi est un voyage, alors est-ce que c'est un voyage aller-retour ou justement aller? Dans Alzheimer, c'est un voyage sans retour, malheureusement. Par contre, dans la dépression, dans le burn-out, dans d'autres figures, non. Même ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'adolescence. Dans l'adolescence, par exemple, dans les conduites à risque de nos adolescents, il y a énormément de figures d'absence, de disparition de soi. Mais en revanche, il y a un retour. La toxicomanie, l'alcoolisation, la recherche du coma dans l'alcoolisation, les hikikomori, l'addiction aux jeux vidéo, etc. Presque dans toutes les conduites à risque, vous avez une figure de l'absence. Même dans les troubles alimentaires. On pourrait dire que l'anorexie, c'est une longue transe également... sur le film du rasoir, de la faim, du désir de manger, que l'anorexique repousse avec une force considérable. Là, dans les conduites à risque, pour moi, il y a toujours un retour. Dans l'immense majorité des cas, les adolescents qui sont en grande souffrance retrouvent un jour ou l'autre le chemin du lien social.
Je dirais pareil dans la dépression. La dépression peut durer parfois des mois, des années, mais on revient un jour au monde. Le burn-out aussi. C'est Alzheimer, où l'on, en principe on ne revient plus jamais. Et là, effectivement, il y a une destruction du cerveau qui amène la personne à être dans l'incapacité de... Mais où est-elle? C'est la grande question. Qui est là dans Alzheimer? Parce qu'on ne sait pas. On ne peut absolument pas dire, comme dans l'autisme ou comme dans la psychose, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne. On ne peut pas dire qu'il y a un vide. Il y a des significations qui nous échappent. Comme si c'était des personnes qui venaient d'une autre planète, d'une certaine manière. C'est toujours un peu comme ça que j'ai vu les personnes autistes ou psychotiques et que je vois les personnes Alzheimer. On ne peut pas entrer en elles pour les comprendre. Mais où sont-elles? Peut-être que nous comprennent-elles très très bien. Mais on ne sait pas, on ne le saura jamais. Si on devient soi-même un jour Alzheimer, ou psychotique ou autiste, mais on ne pourra jamais en témoigner de toute façon. Il y a là une énigme absolument fascinante, de mon point de vue d'anthropologue. Bonsoir. Am și o întrebare legată de vorbiți despre evadarea din sine și întrebarea mea este cum înțelegeți sinele ca pe o construcție predefinită, statică sau ca pe ceva dinamic care suferă transformări? De ce e și, de fapt, când vă referiți la evadare? L'identité est un sentiment, évidemment. L'identité n'est pas du tout une substance. Donc l'identité, le sentiment d'identité est toujours en mouvement. Il ne cesse de se remanier au fil du temps. Et en même temps, le soi, même le soi actuel, est infiniment multiple. Vous connaissez la phrase de Rimbaud, « je est un autre ». On pourrait dire aussi « je est mille autres », parce que nous sommes, chacun de nous, mille autres personnes. Car chacun, nos proches, ne connaissent qu'une facette de notre personne. Nous sommes très différents selon les contextes sociaux. Et nous changeons finalement d'un contexte social à un autre, jamais nous ne sommes tout à fait les mêmes personnes. Ce que j'appelle soi, c'est cette espèce de spectre infiniment multiple qui nous constitue en tant que sujet. Donc ce n'est pas du tout... Je suis à l'opposé évidemment de Descartes ou d'une conception cartésienne qui dirait « je pense, donc je suis ». Je suis transparent à ma conscience. Bon. Il y a des milliers de personnes en nous qui sont simultanément présentes, mais qu'on ne peut connaître qu'en fonction des circonstances, qui n'existent peut-être pas encore. C'est-à-dire, nous sommes faits de beaucoup plus de virtualité que d'actualité, d'une certaine manière. Chaque situation met à jour d'autres personnes que nous avions en nous. Voilà, donc j'ai cette vision. Pour moi, le soi, c'est une sorte de spectre, c'est une gamme, c'est une déclinaison innombrable de toutes les personnes que nous pouvons être dans le cours de nos vies. Bună seara! Revenind un pic la Alzheimer, ce v-a făcut să includeți demențele în rândul celorlalte practici de dispariție din sine? Adică adicții, plimbări, jocuri de asfixiere, etc. Ați făcut o cercetare în sensul ăsta? Ați cercetat demența? De asemenea, spuneți că neuroștiințele sunt derizorii, dar teoria dumneavoastră, pe cât de atractivă și fermecătoare, poate părea totuși o speculație din zona literară, spirituală, mistică. De exemplu, putem include astfel și cancerul alături de demență, poate privi și cancerul ca o evadare din sine. Și, de asemenea, ce se întâmplă cu responsabilitatea pe care o punem pe seama bolnavului în sensul ăsta, dacă o privim ca o evadare din sine? Mulțumesc! Nu, pas du tout, je n'ai jamais parlé du cancer. Non, ça ne fait pas partie des figures que j'ai analysées. Il y a certaines formes de maladies, des formes d'accidents, etc., qui dépassent complètement la personne. Et si malheureusement la personne disparaît, ce n'est pas, c'est plutôt à cause du traitement social
qu'on lui fait. Donc pour moi, ça ne faisait pas du tout partie de mon sujet. Par contre, les démences en faisaient partie, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que j'ai travaillé en fait dans d'innombrables domaines, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait aussi des études de psychologie. J'ai fait simultanément, disons, des études de psychologie, de sociologie et de linguistique. Et donc, par contre, j'ai fait ma thèse en sociologie, puis une thèse de doctorat d'État, quand ça existait encore aussi, en sociologie. Mais j'ai en même temps fait ce qu'on appelle un DESS de psychopathologie, c'est-à-dire que j'ai un diplôme pour exercer éventuellement en tant que psychothérapeute. Donc j'ai suivi simultanément plusieurs formes d'études, et donc j'ai fait beaucoup de stages quand j'étais plus jeune. C'est ce qui m'a amené souvent à écrire sur l'autisme, ou sur la psychose, ou sur la démence. Parce que quand j'étais plus jeune, par exemple, j'ai fait des ateliers de théâtre avec des enfants autistes. J'ai pu mener un certain nombre d'expériences. Je travaillais avec des personnes. J'ai fait beaucoup de nursing avec des personnes extrêmement handicapées, qu'on appelle débiles mentales. Mais je n'ai jamais accepté cette terminologie-là. Même la notion de démence, pour moi, j'ai toujours dénoncé le vocabulaire dépréciatif, péjoratif de la psychiatrie ou souvent de la médecine, qui parle, par exemple, dans l'autisme, de vide, de tic, de grimaces, de... Je sais pas. Pour moi, non, ce sont d'autres formes d'humanité. Voilà. Bon, je pense qu'on pourrait en débattre. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais humainement, je ne me suis jamais senti différent de ces personnes autistes, de ces personnes étiquetées comme débiles mentales dont je faisais les soins de nursing quand j'étais plus jeune. Je me sentais dans une immense proximité avec elles. Pour moi, c'était une autre forme d'humanité. C'était des hommes ou des femmes différents de moi, mais qui n'étaient pas moindres que moi. Je me sentais en rapport d'égal dignité, en tous les cas, pour la trisomie. Ça m'est aussi souvent arrivé de travailler avec des personnes trisomiques. Voilà. Moi, je les vois, c'est vraiment une parole d'anthropologue, je les vois comme des déclinaisons de la condition humaine. Et j'ai toujours j'ai souvent même dénoncé la violence de la psychiatrie à leur égard, à travers l'enfermement, à travers parfois les électrochocs, les psychotropes, etc., qui sont des manières de détruire, de... En ce sens, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je me sentais, et encore aujourd'hui, je me sentais très très proche de ce qu'on appelait le courant antipsychiatrique anglais, avec Ronald Deling, avec David Cooper, en Italie c'était Franco Basaglia, aux États-Unis c'était Thomas Zass, enfin ce sont des auteurs pour moi qui continuent à avoir une immense valeur, et c'était des hommes ou des femmes qui défendaient aussi la dignité de ces patients. Donc dans tous mes livres, finalement, il y a aussi cette ressurgence de la question de l'autisme, de la question de la psychose, ou de la démence. Voilà, j'en parle beaucoup, donc dans Disparaître de soi, j'en parle, enfin pas beaucoup, mais en tous les cas j'en parle, parce que je parle de Alzheimer notamment, mais beaucoup plus longuement. Mais quand j'ai écrit sur le visage, quand j'ai écrit sur le silence, par exemple, j'ai énormément parlé du mutisme des personnes psychotiques. Que signifie le silence d'une personne psychotique dans la question du visage, la question du sourire, par exemple, si j'en ai parlé dans le petit livre que je viens de finir d'écrire sur l'autisme, parce que les enfants autistes ne sourient pas, sauf quand on fait un travail d'accompagnement avec eux, quand on les remet au monde d'une certaine manière. Et on voit effectivement apparaître des sourires sur ces enfants, quand ils grandissent aussi, et qu'ils rejoignent le lien social. Donc voilà, mon expérience finalement, elle est très multiple. Je me suis intéressé à énormément de choses. C'est vrai aussi que je suis pas très... je suis un peu franc-tireur, d'une part, et puis pas très commun, je sais pas comment dire. Bon, je suis assez original à travers la passion qui m'habite depuis que je suis enfant, d'ailleurs, de comprendre. Quand je ne comprends pas quelque chose, je vais au bout de... Je me donne tous les moyens pour comprendre. C'est ce qui fait que j'ai une bibliothèque absolument gigantesque chez moi, que j'ai toujours acheté, même quand j'étais petit, j'achetais énormément de livres, et je continue aujourd'hui. Voilà. Donc je crois que tous mes livres sont nourris de cette expérience, de mon expérience de voyageur également. J'ai vraiment parcouru le monde en autostop quand j'étais plus jeune, dans des conditions
assez difficile et puis de façon plus tranquille évidemment maintenant où je suis invité. Voilà. Donc il y a tout ça dans mes livres. Mais je suis d'accord avec vous hein, que les neuroses. Il peut y avoir une collaboration entre les neurosciences et nous en anthropologie, mais ce n'est pas mon registre. Ceci dit, peut-être pour démentir mon propos, un autre livre que je viens de publier, mais ce n'est pas un livre personnel, on était trois auteurs, c'est un livre sur les douleurs chroniques qui s'appelle L'homme douloureux, qui est paru aussi il y a quelques mois, en même temps que mon autre livre sur le rire. Et ce livre a été coécrit. Mais vraiment, écrit, chaque phrase est écrite par nous trois, si je puis dire. Il y avait un neuroscientifique de Bordeaux, enfin d'un laboratoire de Bordeaux, qui a fait énormément de recherches sur les molécules, les molécules antalgiques, en antalgie, en tous les cas, pour le soulagement de la douleur. Et le troisième auteur est un médecin qui est responsable d'un centre antidouleur à l'hôpital de Saint-Étienne. Et nous avons mêlé nos voix, tous les trois, et on a essayé de construire une espèce d'approche qu'on a appelée indisciplinée, hein, en jouant avec les mots, refus des disciplines. On est donc dans l'indiscipline, qui pour moi caractérise de toute façon l'anthropologie, mais en même temps avec une extrême rigueur. Voilà. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout hostile fondamentalement, mais il faut aussi des conditions d'amitié, de collaboration. Je me sentais en prise, en quelque sorte, dans une connivence morale avec ces deux chercheurs, qui se reconnaissaient aussi énormément dans mes livres. Hein. Donc, on ne s'est pas rencontrés n'importe comment, mais il y a beaucoup de neuroscientifiques avec qui je n'aurais aucune envie de travailler, même ceux de mon université à Strasbourg. Parce que je n'ai jamais réussi à discuter avec eux. Même en toute amitié, quoi. C'est très compliqué. Moi, je ne supporte pas ça. Je trouve que dans nos disciplines, on doit fonctionner avec confiance, avec amitié, même quand on n'est pas d'accord. Pardon. Je perds ma voix. Conservez-moi l'ultime de ton interprète, qui m'existe pour terminer au forum spectre. Salam. Vorbiți de evadarea din sine și ce înseamnă mai mult raportată la această societate a spectacolului în care trăim. Și mă gândeam că evadarea din sine are un fel de lucru cu obsesia noastră pentru timp, despre cum ne pierdem timp, despre cum ne consumăm, de fapt. Și mă întrebam, menționați mai devreme despre societățile care deteriorează moartea, venirea morții. Mă întrebam dacă evadarea din sine se întâmplă altfel acolo, dacă e... cred că asta e întrebarea de fapt. Mulțumesc. L'anthropologie de la mort, comme l'anthropologie du corps, d'ailleurs, montre qu'il y a des ritualités extrêmement différentes d'une société humaine à une autre, et puis que les représentations sociales également sont très différentes. Donc les valeurs associées à la mort peuvent être incroyablement contradictoires. Le statut du cadavre également, qui est un sujet qui m'a énormément intéressé. Le cadavre est-il la personne? Est-il encore la personne? Ou n'est-il plus la personne? Cette question est très importante, et mon travail le sait très bien, puisqu'il a fait sa thèse sur les prélèvements d'organes. On ne va faire des prélèvements d'organes qu'à partir du moment où on peut penser que la personne n'est plus là. Elle est cérébralement morte, donc on n'a plus qu'un cadavre indifférent. Par contre, les personnes qui sont opposées au prélèvement d'organes continuent à penser que leur père, leur mère, leur frère, leur sœur est présent, même s'il est mort. Donc là, à l'intérieur même de nos propres sociétés occidentales, on a deux visions complètement différentes du cadavre, complètement différentes de la mort. Et on peut multiplier ça à travers le monde. Donc voilà, effectivement, la mort et le corps connaissent d'innombrables déclinaisons à travers le monde, et parfois extrêmement insolites. Moi j'ai souvent écrit que le corps n'existait pas, parce qu'effectivement, il y a des sociétés pour lesquelles la notion de corps n'existe pas. Elle n'est même pas dans le lexique de ces sociétés. Il n'y a pas de représentation du corps comme étant différent de la personne, par exemple. Il y a le sentiment que la personne est tout entière de chair. Donc il n'y a pas une notion de corps
qui viendrait recouvrir les notions de personne, comme chez nous, où on dit, voilà le corps de quelqu'un, voilà mon corps, comme si on était différent de son corps. Mais c'est absolument pareil pour la mort. On pourrait dire qu'il y a des sociétés où la mort n'existe pas, où quelqu'un qui est mort pour nous, avec nos critères occidentaux, est quelqu'un qui est en train de vivre ailleurs, une autre vie, ou alors quelqu'un qui continue à errer autour de son cadavre, comme par exemple dans la tradition japonaise, mais dans beaucoup de traditions également amérindiennes, par exemple, où on considère que pour mourir, il faut des mois ou des années. Hein, par exemple, dans des sociétés amazoniennes, il faut que la chair ait complètement disparu du squelette pour que la personne soit considérée comme morte. Pendant tout le temps où il y a de la chair sur les os, elle est considérée comme encore vivante. Ben, on pourrait comme ça... Enfin, il y a quelque chose évidemment de très insolite dans l'anthropologie et dans l'ethnologie aussi. On est confronté à des coutumes et à des visions du monde, des représentations du monde incroyablement différentes des nôtres. Pour moi d'ailleurs, la réalité n'existe pas. Il n'y a de monde que de regard. Et quand nous disons le monde, nous disons simplement les significations que nous projetons sur le monde, mais pas autre chose. Donc les significations d'une société ne sont pas celles d'une autre société, ne sont pas celles de notre propre histoire occidentale. Si on fait l'histoire du corps, si on fait l'histoire de la mort, l'histoire de la douleur dans nos sociétés, eh bien ça a incroyablement varié. Nos ancêtres n'avaient absolument pas le même rapport à la mort, au corps, à la douleur, à la maladie, par exemple, que nous autres. Voilà, donc mort ou corps ne sont que des questions, ne seront jamais que des questions, jamais des réponses. Il n'y a pas une substance du corps, il n'y a pas une substance de la mort, il y a des interrogations sans fin. De unde provine această nevoie de a scăpa? Je peux essayer en français aussi. Oui, oui. Mais d'où vient cette nécessité d'échapper de notre personnage, de notre personnalité, de notre vie? Oui. Ah, Alors, ça peut être d'ailleurs... quand je vous entends poser cette question, je me dis qu'un comédien, par exemple, peut avoir aussi ce désir d'être multiple. Et je m'intéresse énormément au théâtre ou au cinéma, donc je suis très intéressé aussi par le travail du comédien ou du travail de l'acteur au cinéma. Et je sais que beaucoup de comédiens disent que leur vocation est venue du fait qu'ils avaient envie d'être autre chose qu'eux-mêmes, hein, de s'inventer des personnages, etc. Donc de manière tout à fait ludique. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'un écrivain? C'est aussi un homme ou une femme qui va inventer d'innombrables autres, qui va s'inventer d'innombrables autres vies. On peut dire la même chose sans doute d'un cinéaste qui va construire aussi des scénarios, qui va filmer des scénarios en s'inventant d'autres vies possibles. Je pense que dans la vie aussi, nous avons parfois le désir de devenir quelqu'un d'autre. J'en ai parlé aussi pas mal dans le livre, même sans être dans un contexte de souffrance. Finalement, il y a des hommes ou des femmes qui ont une vie du jour qui n'est absolument pas leur vie de la nuit, sans pour autant, par exemple, être des personnes gays ou des personnes lesbiennes. Ça peut être des gens qui, dans la journée, ont une réputation de gens très austères, très tranquilles, et puis la nuit, qui vont vivre des choses incroyables, comme dans les romans de Ryushi Murakami, dont je parlais tout à l'heure. Et souvent, d'ailleurs, le voyage est une manière de se réinventer ailleurs. On parlait tout à l'heure avec Andrei des Anglais qui viennent faire la fête à Bucarest ou à Barcelone ou ailleurs. Pourquoi ils ne font pas la fête chez eux à Londres ou ailleurs? Ils vont se défoncer pendant deux ou trois jours dans une autre ville. Pourquoi? Mais il y a aussi sans doute ce désir de se réinventer, de disparaître, de ne plus répondre à ce personnage. Je crois aussi que c'est l'un des grands attraits de la marche, parce que quand on marche, on devient quelqu'un d'anonyme sur les sentiers. Plus personne ne sait qui on est. Donc vous pouvez très bien croiser dans une marche votre cinéaste préféré, votre écrivain préféré, ou votre député ou un ministre. Il ne va pas se présenter en disant « je suis ministre, attention ». Il va dire « je suis vraiment fatigué, ça fait deux heures que je marche, où est-ce que je me suis perdu, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et on va parler comme ça pendant des heures et des heures avec des gens dont on ignore absolument tout de l'état civil. Donc la marche est une manière absolument merveilleuse de ne plus être prisonnier de son personnage.
personnages au sens quasiment de Goffman, au sens du masque également, ce sont des formes d'évasion. La marche est une forme d'évasion. Et plein de choses comme ça dans la vie sont des la vie nocturne, les clubs, les fêtes, etc. sont des formes d'évasion du personnage qu'on doit incarner, parfois de façon un peu tyrannique, dans la vie courante. Ce sont des formes d'évasion. Je ne peux pas le dire mieux. Merci David de Breton.